C'est GLG, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Daily Vlog. Alors on commence, alors c'est une deuxième partie, j'ai fait une première partie en moto où j'ai testé un peu les caméras, donc vous verrez certainement la vidéo avant, en testant les trois modes de, alors c'est les appels G-Sensor, je sais pas si c'est la sensibilité de la caméra ou la stabilisation, donc on verra ça avec les trois modes haut, moyen et fort. Je vous emmène du coup, on est venu jusqu'à Naklua, puisque c'est joli, on peut tester les caméras, et on est venu là, café Summer, j'ai vu sur la carte dans les cafés et tout, on va aller manger ici. On verra ce qu'on va manger et tout, on verra les cafés, je m'attends à rien de fonctionnel, mais on va aller dedans, permettre de tester un peu un nouveau truc. Oui, mais dedans ça ressemble à quoi? Bah dedans ça ressemble à ça, c'est joli, les tables et les chaises sont très classe, tu vois, c'est propre. Petites donuts, des muffins là-bas, on a la carte des cafés, des thés, ici, là il y a un endroit pour les enfants. Si tu veux venir, tu t'emmerdes, tu fais un peu de coloriage. Et on va attaquer le menu. Alors, ouvert tous les jours de 7h30 à 19h30. Putain, 12h par jour. Voilà. Fraîche hygiénite premium. C'est exactement ce que je suis venu chercher. Non, je plaisante. C'est bon, ça va, rigole un peu. Bouffée vegan déjà. Alors, il y a des jus d'orange frais. Tu vois, jus d'orange, jus d'ananas et tout. Et tout compte fait, ça peut être une bonne surprise. Les petits déjeuners. Donc là, c'est tout ce qui est bien dégueulasse. Hein, ou tout ce. J'ai pas le droit. Bien évidemment. Club sandwich. Club sandwich. Alors tout ça, c'est non. C'est interdit. Je n'ai pas envie de perdre de poids. Ça, c'est non, mais c'est séduisant. Les œufs, du bacon et tomates grillées. Du bean, du butter, du jam servi avec un café noir. Pas mal. Pas mal. Ça fait plaisir. Bon, après ça, c'est un peu pitié. Là, muesli yogourt avec des fruits frais. Ben voilà, rien. Ça, c'est bien. Homemade waffle avec des pommes. Une crêpe française. Putain. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il va se mettre? Qu'est-ce qu'il va se mettre, le gros, encore? Non, mais il faut y aller. Là, c'est muesli yogourt, c'est bien, avec des fruits frais. C'est bien. C'est bien pour ce midi. Et après, on ira acheter des fruits sur le retour. Et puis voilà. Par russe là, parle très très fort, très très russe. Pas fort non, mais alors salade César avec du poulet. On va prendre ça, ça c'est bien. Salade avec un petit mocha. Ouais c'est bien. On va prendre plutôt salade et puis enfin, les fruits soit je m'achète de la verdure, des œufs, de la verdure, un truc. Tu vois, un truc t'achètes pas normalement. Ça c'est cool. Bon. Allez, Nozan, tu verras ce que je vais prendre, ça sera la surprise. Et ben voilà, l'objet du délit, salade, poulet, normal. Bon, c'est un peu moins joli sur la photo, mais d'habitude, le mocha est trop cool. On sent qu'il y a beaucoup de chocolat et tout, trop même du chocolat, mais bon. Tant pis, on va tout manger. Hein. La sauce est là et tout, voilà. Ça fait un petit repas sympa, hein, voilà. Salade et mocha, et je vous dirai après ce que j'en ai pensé, le prix. Alors certains m'ont fait la remarque que c'était pas assez fort, hein, mais je parle chuchote parce que du coup je parle pas trop fort, je vais pas gueuler à chaque fois où je suis partout. Ça ira mieux quand Diga aura sorti l'adaptateur pour mettre un micro dessus, ou quand on aura assez de vues qu'on passera avec l'autre caméra qui elle a un micro de ouf. Voilà, bah écoute, bon appétit. 320 balles. C'était pas mal, elle était bien la salade. Bon, grosse. Les salades, c'est une différence. Soit t'as que toi, la salade dégueulasse. Là, il y avait un gros morceau de salade, c'est pas mal. Petit morceau de bacon, il y avait des petits raisins, il y avait du poulet, beaucoup de poulet et tout. 320 bahts, ça fait 9 euros et 20 bahts. Hein, on va multiplier par 3. On va dire multiplier par 3 et décaler de 2. Ils mettent virgule de 2 chiffres. Donc ça fait x 3, 320, ça fait 9,60. Ça fait 9,60 et tout. C'était pas mal parce que du coup. Il y avait quand même la salade et le mocha. Le mocha était bon en plus. C'était pas mal. Non, c'était bien. Je laisse 20 balles de pourboire. Enfin, j'essaie de me débarrasser de ma monnaie un peu. Je sais pas où la main a débarrassé. Donc je vais laisser là. 9 balles, 9,60. C'était bien. C'est là que je suis riche. Tout argent. C'est 100 bahts, pareil, donc par 3 fait 3 euros. Ouais, je sais. Ouais, c'est moins glorieux. Et 1000 bahts, 30 euros. Ouais, tu multiplies par 3 et tu décales de 2. C'est une bonne technique, je la valide. Ce sera plus simple pour moi, par contre. Allez, on va essayer d'aller en pharmacie, voir si je peux acheter mon traitement moins cher qu'à l'hôpital. Et puis on va demander s'ils ont du Camagra aussi. Alors, tout le monde me dit, mais non, on peut pas en avoir. Attends, si tu ne demandes pas, tu sais pas.
Ça, vous le saurez. Bon, c'est non. C'est pas... Ici, non. En vrai, en même temps, la meuf, je suis même pas sûr qu'elle savait. En même temps, si, elle doit savoir ce que c'est. Mais non. Bah, ou alors, soit ils veulent pas, soit... On sait jamais avec la Thaïlande. Soit ils ont, mais ils veulent pas, ou... Voilà, donc c'est non. Je vais me renseigner dans mes réseaux underground, savoir si eux savent ou c'est qu'on peut en acheter. Et je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, on tourne à la maison, faut que je fasse la quotidienne. Un petit peu de boulot, moi. C'est pas sympa. Oui, je sais. Bon, bah, du coup, cet après-midi, j'ai rien fait. Bon, je vous fais voir juste en quoi j'ai consisté ma soirée. Alors, pas à bouffer des cochonneries, hein, ça c'était au-dessus. Mais j'ai la batterie du Tricity qui était complètement à plat. Et quand on voit 7,8 volts, on comprend que voilà, qu'il n'y avait pas assez. Donc, je l'ai démonté. C'était pas ultra simple, mais je vous ferai voir au remontage. Puisqu'il y avait, en fait, il était sous le plancher. Je ferai voir où elle était la batterie. Je l'aurais pas vu là, mais bon, après, heureusement, Internet était mon ami. Démontage, charger la batterie. J'avais acheté ça là pour ma batterie solaire, qui a un chargeur de batterie et tout. Et c'est vrai qu'elle était sec. Alors c'est bien ça comme chargeur. J'ai acheté ça, j'ai trouvé ça sur Internet. Hein, c'est un truc pas cher. Mais ils mettent bien pour. En fait, je l'avais branché, puis il se passait rien. Ça m'inquiétait un petit peu. Et en fait, il y a bien le key bouton qui est ici, qui permet de charger les petites batteries et les grosses batteries. Donc 2 ampères, 6 ampères. Donc là, bah, non, c'est une 2 ampères, c'est une toute petite batterie. Donc il suffisait d'appuyer ici pour la mettre soit en maintenance, soit de mettre sur 2 ampères. Et là, du coup, elle charge. Donc en théorie, il faut 12 volts et il doit y en avoir niveau 78%. Voilà, donc c'est en train de charger. Oh, ça charge pas mal en fait. Hein. Ça va vite, ça va beaucoup plus que tout à l'heure. Bon voilà, et niveau 12 volts. Ok, bon bah on va charger ça et puis demain on remettra la batterie en place. Et le Tricity devrait repartir. Enfin, j'espère, parce que là, il se passait vraiment plus rien, comme s'il n'y avait plus de batterie. C'est normal, tu pars un mois sans rien, voilà. Bon bah c'est bien, je l'ai nettoyé un petit peu aussi, je la remonterai demain, je ferai voir ça. Il va rien se passer aujourd'hui, donc je risque de faire 2 blogs en un, comme c'est parti, puisque ce soir je risque pas de sortir. Donc rien d'exceptionnel, et demain couscous.